Coucou tout le monde, donc cet après-midi c'est activité manuelle. Je suis vraiment pas douée pour ça du tout. J'ai suivi en fait le tutoriel de Jolie DP. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en dessous. En fait, donc c'est pour faire des cover minders. Donc moi j'appelle ça des aimants pour diamond painting. Donc du coup sur Nancy, j'ai fait énormément de magasins pour pouvoir trouver ce genre de choses, des cabochons. Et j'en ai trouvé que dans un seul magasin. C'est vraiment très très galère à trouver. Donc je suis allée chez Colori à Nancy, à Essey-Nancy précisément. Donc du coup, je me suis dit, vu que j'arrive pas à trouver ce que je veux, je vais essayer avec des stickers. Donc des gros. En fait, c'est des gros stickers. Hop, voilà, on retire la colle dessus. Et finalement, c'est pas mal. Donc j'en ai plusieurs couleurs. Voilà. Alors voilà un peu le résultat. Donc. J'ai fait l'attelage comme elle a dit, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, beaucoup pour ce tutoriel. Donc, j'ai utilisé donc les aimants. Donc, des aimants, j'en ai trouvé à Leroy Merlin par 6. C'est 3,50 € par 6. Et dans un petit magasin, d'ailleurs, j'en ai plus, je crois où ils sont. C'était un petit peu plus petit, c'était 2,95 € les 6, je crois. Voilà. Donc, les petits. Cabochon aussi, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver. Donc j'ai fait exactement comme elle a dit, et je peux vous assurer que ça fonctionne du tonnerre. Donc le cabochon, donc j'ai collé avec de la colle forte l'aimant derrière, et j'ai utilisé comme elle a expliqué une petite rondelle, et ça marche vraiment bien. Alors les rondelles, hein, évidemment, mon paquet est opaque, voilà. Et c'est vraiment génial. Enfin, merci encore Jolie DP pour ce tuto. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser, en fait, parce qu'on peut prendre tout support, je pense. Ça, c'est pour faire la céramique, en fait. C'est du verre. Donc, je vais essayer avec ça. Donc, voici un peu le résultat. Donc, j'en ai placé quelques-uns que j'avais fait sur un DP. Voilà, à l'arrière. Tout simple. C'est vraiment pour vous montrer. Alors j'ai les doigts qui collent, je vous explique pas. Je suis vraiment pas du tout manuelle. Mais c'est vraiment pour vous montrer, c'est vraiment très facile à faire. Alors moi qui ai eu des soucis de livraison la dernière fois sur des aimants, j'avais pas été livrée, enfin du moins ils m'ont été volés. Et ben je me dis que finalement, je vais les faire moi-même. Je vais en faire de toutes sortes et ce sera parfait. Donc merci encore beaucoup Jolie DP pour ce super tuto, ça tient super bien, c'est vraiment génial. Hop, je prends, je place, et voilà. Vraiment génial. Voilà les filles, à bientôt!